greatest magician in the world. For years, he was loved by the public. He could even make children cry with joy. His name was Lele, the Green-Eyed Illusionist. But sadly, one day everything was stolen from him by a fake magician, a charlatan. He goes by the name of Dandy Ace. With his mediocre performances and handsome looks, Ace, and I really don't know why, became the most loved of Ta gueule, Dandy Ace. C'est parti. Donc, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Dandy Ace, comme je suppose que vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce que Dandy Ace? C'est un roguelite qui prend beaucoup... Merde, quel nom de ce jeu déjà? Dead Cells, pardon. Oh, le mec! Il oublie les principaux, quoi. Donc, c'est un jeu qui, vous verrez, dans sa structure, prend pas mal à Dead Cells. C'est... Sinon, pour le reste, en fait, j'ai l'impression qu'il prend un peu ses aises côté building, côté tout ça. Un jour, nous incarnons donc un magicien qui s'est retrouvé coincé dans un autre monde, un monde maudit, par l'autre, magicien vraiment illusionniste, quoi. On entendait parler dans la cinématique du début. J'ai pas tout laissé parce qu'elle est un peu longue et je vais vous avouer que j'en ai un petit peu rien à foutre, en fait. J'accroche juste pas au délire, mais vous verrez, j'ai des choses à dire sur Dandy Ace. Excusez-moi une seconde. Alors, on va faire ça. Je vais vous expliquer les trucs que je viens de faire là, y a pas de souci. Donc, Dandy Ace, je savais pas trop quoi faire en fait sur ce jeu pour comme type de vidéo. J'hésitais à faire un test. Là, on va appeler ça une présentation plutôt qu'un test. Donc, ça devrait vous aiguiller un petit peu sur ce que je pense du jeu. Parce qu'un test, comme je l'ai fait pour Cause of the Dead Gods, ça souffle ça? Ça souffle pas. Ou encore Hades ou d'autres jeux, hein. C'est l'air de rien 7 à 8 heures, hein. C'est facile. 7, 8, 10 heures, un truc du genre. Pour enregistrer, monter, tout ça. Et ça, c'est si j'ai pas. Si j'ai déjà écrit la vidéo la veille, quoi. Enfin, la veille ou les jours d'avant. Sinon, avec les travaux d'écriture en plus, vous rajoutez quelques heures, clairement. Donc ça paraît pas des vidéos comme ça, mais c'est beaucoup de taf. Donc abonne-toi à mes pouces bleus. Sinon, du coup, Dandy Ace, Roguelite, on joue avec des cartes. Et ça va être ce qui va faire l'intérêt du jeu pour moi. Puisque pour le reste, vous allez voir, j'en parlerai plus tard, mais je suis franchement pas convaincu par beaucoup de choses. Oh putain. Oh, de la bouffe! Des cupcakes, mon gars! Voilà, déjà, je suis pas convaincu par les cupcakes. C'est un truc de femme. Pardon. Non, mais... Bref. C'est pas super viré, le cupcake. Alors qu'un bon vieux Baba Rum. Truc de pirate. Tiens, faut que j'arrête de partir en couille, moi. Donc, en fait, le truc, c'est que comme vous avez vu au début, j'ai ramassé 3 cartes. On a chopé d'autres depuis. Et ces cartes vont avoir plusieurs effets selon où vous les mettez, comment vous les combinez, etc. Je vais vous détailler ça. Déjà, vous voyez que chaque carte a un cooldown. C'est-à-dire que quand j'utilise la fusée, là, voilà, il y a pendant une seconde, enfin 0,6 secondes, visiblement, je peux pas m'en servir. On voit en bas de l'écran ça. Pareil pour le dash. Le dash, c'est la carte bleue. On voit qu'il y a aussi un certain temps pour ça. Donc ça, c'est un problème déjà parce qu'il va falloir gérer ces dashs de ouf, en fait, hein. Et j'en reparlerai plus tard. Pour l'instant, les cartes. Vous avez 3 types de cartes. Vous avez les cartes bleues, qui sont des cartes de mouvement, d'esquive, de téléportation, ce genre de conneries. Les cartes roses, qui sont les cartes d'attaque. Et les cartes jaunes, qui sont les cartes de contrôle. Donc, contrôle du genre charme, du genre entravé, du genre assommé, ce genre de choses. Si vous venez de... Enfin, ça a été traduit en tant que contrôle de foule. Si vous venez de RPG ou de MMO, vous avez certainement vu Cloud Controlled. Du contrôle de masse. C'est comme quand vous allez à 3000 pour faire vos manifs avec votre Covid, là. Et vous restez comme des cons, hein, tous les uns à côté des autres, et que vous prenez des lacrymos. Vous êtes contrôlés. Donc restez chez vous et mettez vos masques. Mais c'est le même délire. C'est du contrôle. C'est-à-dire que quand vous prenez une lacrymo, vous êtes par terre à cracher vos poumons. Et vous faites plus chier le monde. Bah là, c'est la même chose. Enfin bon, mis à part qu'ils font toujours chier le monde après. Mais sur le coup, on est bien.
Le truc, c'est que ces cartes ont plusieurs effets. Déjà, elles ont ce qu'on va appeler deux parties. Ouh, merci. Deux parties qu'on va appeler une partie passive et une partie active. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé choper une carte pour vous la montrer, mais je peux vous le montrer seulement avec les cartes qu'on a là. Chaque carte de base a son effet. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien. Vous avez les cartes qui vous allez préférer à d'autres ou qui font plus de dégâts ou ce que vous voulez. Ah, et vous avez un niveau sur les cartes aussi. Ce qui est un autre problème, mais c'est pareil. On en reparlera. Peut-être si je meurs pas. Sinon, j'aurai plus qu'à tout refaire. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Non. Bah, si, dans le hall d'entrée, il y en a. C'est pas grave, là je vais pas tout explorer, ça va être pour vous montrer. Et je vais vous montrer le côté un peu dead cells en même temps. La carte peut avoir plus d'un effet d'amélioration. Oui. Justement, j'y viens. Ne prends pas mon taf, l'assistante. Tu dois juste être belle et montrer les choses. Donc, pour le côté dead cells, quand vous tuez des ennemis, ils vous donnent de la thune, des fois, et ils vous donnent des éclats qu'on voit en bas à gauche. Vous arrivez ici, vous parlez à cette nana qui est une... ta gueule. Qui est une Twitch streameuse vu la couleur de ses cheveux. Et vous dépensez vos éclats, voilà, pour choper de nouveaux objets, de nouvelles attaques, ce genre de choses. Et si vous mourrez, vous perdez les éclats que vous avez d'équiper. Jusque là, je pense qu'on est d'accord, c'est du Dead Cells. Ici, vous avez une potion. Quand vous buvez ça entre chaque zone... Vous récupérez vos PV et ça soigne, ça vous rend vos utilisations de potions. Parce que là, j'en ai qu'une utilisation de potions. C'est Dead Cells. Ensuite, vous pouvez parler à cette jeune femme et vous pouvez gratuitement prendre un truc. Comme ça, ça va faire que S, donc le perso, gagne une nouvelle potion de T. C'est la potion, hein. Et les potions guérissent 30% en moins. Voilà, et je peux pas en prendre d'autres, mais je pourrais payer pour réinitialiser. C'est comme Dead Cells. Et sinon, je sais pas si je vous ai dit... Mais ce jeu, il ressemble à Dead Cells, en fait. Il prend des trucs de Dead Cells. Et donc, pour... comment dire, le chemin que vous allez suivre, c'est pareil. C'est-à-dire que de base, on était là, au hall d'entrée, et on aurait pu aller dans cette zone, où on est allé d'ailleurs, ou alors on aurait pu aller dans celle-là. C'est un peu comme au tout début, vous pouvez aller sur les toits de la prison, vous pouvez aller dans les égouts, ce genre de choses, dans Dead Cells. De la même façon, une fois qu'on est là, on peut aller par là, ou on peut aller par là. Et ça, ce sont des portes que vous pourrez ouvrir plus tard quand vous choperez des clés que vous gardez d'un run à l'autre. C'est comme bah, les runes dans Dead Cells, hein, pareil. Le côté, je vais pas dire Metroidvania parce qu'il faut pas déconner, mais c'est l'idée en tout cas. Donc là, nous allons aller dans la cour. Ça, c'est l'enfoiré qui nous a enfermé dans le miroir. Et donc, vous voyez, je peux plus récupérer de cartes. Bon, bah tant pis, je vais le montrer là. Vous voyez que chaque carte a deux parties, on va dire. La partie du haut... qui est bah, ce que fait la carte, hein. On voit les dégâts, on voit le temps de recharge, on voit la description. Une amélioration. On voit par exemple que cette carte a une amélioration, j'ai mis étoile filante dessus. Alors on peut virer étoile filante, et on peut mettre étoile filante là. Et vous voyez qu'on a donc notre carte étoile filante, qui de base lance 3 étoiles qui font un combo. Bref, on va la virer pour remettre le dash, parce que quand même. Mais après, on va pouvoir mettre cette fameuse carte étoile filante dans... bah, les différentes améliorations là, et ça va nous apporter des buffs. Si on la met avec cette carte là, la précipitation pimpante, ça renforce la magie de 275 points. Il me semble que l'étoile filante, c'est tout ce qu'elle fait. Mais il va y avoir 90% des cartes, elles vont pas faire que ça, et c'est tout l'intérêt en fait. C'est à dire que vous, vos cartes ont, même pour les dégâts, même pour tout ça, plusieurs possibilités. Il y a les cartes qui sont là simplement pour faire du dégât, il y a celles qui font des altérations d'état, donc de la brûlure, du poison, etc. Il y a plein de choses. Et si vous prenez une carte qui, on va dire là, le feu d'artifice, il fait du dégât et il met de la brûlure. Très bien. Si vous prenez une autre carte que vous mettez avec, en général, ça boostera les dégâts. Mais si vous avez une carte qui fait déjà de la brûlure, que vous la mettez en tant qu'amélioration, ça améliorera la brûlure de cette attaque. C'est-à-dire que vous avez une attaque qui fait 100 points de dégâts et qui met de la brûlure. Si vous la mettez avec le feu d'artifice qui met de la brûlure, ça fait que votre brûlure, au lieu de faire 100, elle fera 150 et au lieu de durer 2 secondes, elle durera 3 secondes. En fait, si vous avez une carte qui fait une altération d'état et que vous mettez la même altération d'état grâce à une autre carte, vous allez simplement booster la durée de cette altération d'état. C'est pareil pour le contrôle. Là, le truc que j'ai fait, ça... Oups, pardon. Le temps de recharge, voilà, ça...
C'est un truc qui assomme, qui contrôle, qui éblouit, ils appellent ça. C'est-à-dire que les ennemis ne peuvent pas bouger pendant quelques temps une fois qu'ils sont pris. Ils ne peuvent pas bouger pendant 1,5 secondes. Si j'avais, je récupère la même carte, on va dire, que je mets en dessous, eh ben ça passera à 2,5 secondes. Simplement parce que, encore une fois, c'est... Oui, merci. C'est l'altération, le contrôle de ce que vous voulez. Comme quand on met deux fois le même, il augmente en durée. En intensité aussi, ce genre de choses. Donc, les cartes peuvent avoir plusieurs effets. Déjà, elles ont l'effet classique de « je fais du dégât ». Elles ont... excusez-moi, un peu bloqué. Elles ont l'effet de... Si c'est une altération d'état, ça va pouvoir améliorer une autre altération, enfin la même altération d'état. Si vous la mettez en tant que passif, ça fait autre chose. Et vous avez des cartes qui, selon la couleur avec laquelle vous les associez, font différentes choses. Par exemple, on va dire que vous avez une carte, j'en sais rien, rose, n'importe quoi, qui doit faire du dégât. Elle va vous dire, si vous la mettez avec une carte bleue, ça fait du dégât, mais si vous la mettez avec une carte jaune ou rose, ça va, je sais pas moi, assommer la cible. Peu importe. Donc au final, chaque carte a un effet actif, un effet passif, ça déjà c'est pour chaque carte. Ensuite, elles ont très souvent quand même, parce qu'il y a beaucoup de cartes à altération ou contrôle, bah un effet, outre un effet qu'on va appeler d'altération, contrôle, c'est la merde. Mais elles peuvent aussi avoir un autre effet dépendant de avec qui, enfin avec quelle autre couleur vous la mettez. Voilà pour ce qui est la construction de build et ce qui fait pour moi tout l'intérêt du jeu, parce que du coup il y a énormément de possibilités. Imaginez que chaque buff que vous ramassez peut avoir 3 ou 4 différentes utilisations en fait, selon avec quoi vous le combinez. Et on peut avoir des trucs assez pétés, hein. J'ai chopé par exemple une compétence qui fait que vous faites une onde de choc autour de vous en fait. Normalement c'est une carte bleue, vous le mettez, c'est fait pour être un dash en fait, vous faites un dash et vous mettez une explosion. Sauf que j'avais une attaque où le perso frappait à peu près 3 fois dans la seconde, et je l'ai mis sur 7 attaques, ce qui fait qu'il faisait des ondes de choc tout le temps en fait. Par exemple, cette carte qui fait du poison, S crée un nuage toxique, donc 310 points de dégâts pendant 4 secondes, mais on voit que si je la mets en tant que passif, ça met juste du poison, ça va mettre un poison un peu moins violent. Et ça fait qu'on peut avoir un dash qui met du poison. Ou si on prend notre feu d'artifice qui met du feu, si on met ça, il mettra aussi du poison. Du coup, c'est peut-être pas forcément conseillé, il vaudrait mieux mettre du feu encore pour améliorer ce feu-là, mais bon. On va le virer et on va le mettre avec la bulle, et donc notre bulle fait 249 de poison. Parce que notre bulle, en fait, elle explose. Le truc, c'est que du coup, avec toutes les petites bulles qui vont exploser, ça devrait logiquement mettre plein de petites zones de poison. Enfin, plein de possibilités de mettre poison. Ça va pas mettre... Ah, waouh. Des zones, mais ça va mettre du dégât. De poison à chaque fois. Aïe, oh. Bon, ceci étant dit, on va parler du reste, parce que personnellement, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà... Peut-être qu'il souffre de la comparaison que je fais sans vraiment m'en rendre compte avec Hades. Mais le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps, Hades, hein, et bon, il va rester comme un cadre du genre. Parce que clairement, il a retourné le game. Hein. C'est Hades, en tant que roguelite, il a fait très très mal. Donc le jeu va souffrir de la comparaison. Mais on peut plus ou moins faire la même avec Curse of the Dead Gods. Le premier truc, c'est la lenteur. Le perso est mou du cul. Regardez-moi ça, c'est un putain de 38 tonnes. Et c'est chiant en fait, parce que en plus les salles sont petites et il y a souvent beaucoup d'ennemis. Donc conseil game design pour les nuls, si vous voulez garder le même aspect entre guillemets côté rapport de force sur le déplacement, les attaques, etc. Faites des zones plus grandes, mettez moins d'ennemis et faites en sorte que le perso se déplace plus vite. Parce que là du coup il donne juste l'impression d'être mou du cul à mort quoi. Et c'est pas agréable. Et tout, donc si c'est pour respecter l'équilibre du jeu, mettez des plus grandes pièces quoi, rendez les ennemis plus lents, j'en sais rien, mais pas le personnage plus lent. Parce que si vous mettez le personnage plus lent, vous nerfez le personnage, en tant que joueur, on se sent diminué aussi. Donc déjà, premier mauvais point. Deuxième point, les salles sont petites et il y a beaucoup de gens, et ça devient le bordel. Là, vous voyez, depuis le début, c'est quand même bien le bordel. Alors oui, je me déplace, oui, je joue pas encore extrêmement bien, oui, ce que vous voulez, mais quand même. Ça s'ouvre ça? Ça s'ouvre mon gars! Parce qu'on a une carte sympa, histoire d'essayer de vous montrer un petit peu. Alors, ah oui, on voit que la carte est un niveau. Là, elle est niveau 3. Celle qu'on a était de base niveau 1. Et vous voyez que si je la mets là... Ah bah non, pareil en fait. Très bien. Très bien, très bien. Donc cette carte va donner précipitation si je la mets en passive.
Ça fait qu'après avoir dashé, on déplace plus vite. Oh putain, merci. Et donc déjà, premier truc, améliorer la vitesse du perso. Faites un truc, parce que là, c'est beaucoup trop chiant. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je peux passer à travers les ennemis, mais pas à travers les projectiles? Ça ne fait aucun sens. Et clairement, c'est pas intuitif du tout. Donc bullshit. Si vous pouvez passer à travers quelque chose de dangereux, vous pouvez passer à travers tout ce qui est dangereux, ou à travers rien. Sinon, ça ne fait pas de sens. Ou alors, il faut le montrer physiquement. Il faut qu'il y ait un truc, en fait, qu'on comprenne. Mario, il peut sauter sur les Koopa Troopa, les tortues, les ce que vous voulez. Mais il peut pas sauter sur les trucs avec des pics dessus, parce que clairement, il va se faire mal au cul. On comprend. Suffit de voir le truc pour comprendre que c'est pas une bonne idée. Alors pourquoi est-ce que les projectiles, on peut pas passer à travers, mais les ennemis si? Parce que là, clairement, il n'y a pas de problème. Même en plus, ça leur fait mal. Donc, pourquoi? Ça ne fait pas de sens. Troisième chose, on peut pas passer à travers les murs quand on dash. Alors, je vous dis pas de passer à travers les murs du genre Kitty dans les X-Men, mais là, si on prend l'angle, on devrait pouvoir dasher là et atterrir là. Encore une fois, bon, d'accord, Hades le fait, peut-être que je compare Hades. Mais ça amène un sentiment de vitesse, ou en tout cas, ça ne rajoute pas un sentiment de lenteur. Et c'est plus facile. Là, en plus, regardez, il y a des angles de partout, il y a plein de trucs. Là, il y a les ronces, on peut pas y aller parce que ça fait mal, les ronces au sol. Il y a énormément de trucs partout, en fait, entre les angles des pièces, entre les ronces, entre les ennemis, entre les trucs. On peut pas vraiment se déplacer. C'est compliqué. Donc, ça fait encore un autre truc. Ensuite, on a... vous voyez le bordel assez rapidement, je présume. On a les ennemis qui balancent les ennemis bleus. J'essaye d'en garder en vie, en fait, de tuer les autres, là. Du coup, je m'en prends un peu plein la gueule, mais c'est pas grave. De toute façon, la partie... là, je suis pas encore très évolué sur le jeu. Les potions, merci. Est-ce qu'on peut garder un ennemi? Où est-ce qu'il est? Non, il n'y a pas lui. Et vous voyez la taille en plus du projectile? Ça, esquiver, merci bien, quoi. Bon, là, j'en ai plus. Mais vous avez un espèce d'ennemi chelou qui fait une AOE, en fait, quand il vous attaque. Et l'AOE, elle est sur vous, directement. Donc, il faut l'esquiver. Le truc, c'est que à cause des couleurs du jeu, ça se voit pas. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est mieux que... Vous voyez, je vais virer ma bulle, là, pour mettre un autre contrôle. Si ça fait mal, et puis ça met charme, donc les ennemis seront attirés et pourront pas attaquer. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la bulle si on la met là? Ça fait qu'en plus on fait les bulles. D'accord. C'est simple. Peu importe où. Bon, très bien. Donc ouais, peut-être que c'est à cause des tons de couleur du jeu. Ah bah c'est lui là, c'est l'espèce de truc là. Vous voyez, c'est le rond au sol. Là. Je vais essayer de pas bouger pendant une seconde. Voilà, ça. Le truc, c'est que comme ça, bon, là, ça va. Surtout que je m'y suis préparé, je connais, je sais les ennemis, tout ça. Mais ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop parce que c'est le bordel. Parce qu'il y a plein de trucs dans tous les sens, en fait. Déjà, la DA n'est pas assez marquée. Je suis désolé, alors c'est peut-être moi qui fais mon chieur. Mais tout se ressemble. Tout a la même gueule. Et donc, du coup, c'est compliqué d'essayer, enfin, de vraiment comprendre tout de suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que quoi. Aïe. Est-ce que cette zone on peut y aller? Est-ce que non? C'est le bordel parce que vraiment tout se ressemble. Le truc, c'est que là encore ça va, je suis habitué. Mais quand vous commencez le jeu, vous avez vu dès le début, vous avez des espèces de lapins qui vont vous mettre des attaques au corps à corps. Vous avez ceux qui balancent des projectiles. Vous avez ça qui balance des projectiles verts. Ah bah tiens, la bulle mais au niveau amélioré. Et ben je vais remplacer la bulle. Voilà. Et puis on va revendre celle-là. Vous avez les AOE, vous avez les ronces, vous avez les si. Deux secondes, les gars, j'ai que deux yeux, quoi. Je peux pas regarder mon perso pour savoir s'il va y avoir une AOE. Regarder les cooldowns pour savoir à quel moment je peux balancer une attaque. Regarder les attaques à distance, regarder les projectiles, regarder si j'ai des AOE sous mes pieds. Il y a un moment, c'est compliqué. Le sol, on peut pas aller où on veut non plus, parce que vous voyez que les trucs là laissés par les. On voit plus ça des slimes, hein. Ça fait des dégâts quand on marche dessus. Il faut aussi regarder autour de soi parce qu'il faut pas buter dans un mur. Voilà, parce que si on fait un dash, là, on bute. Et on peut pas redasher. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Dès le début, c'est trop, en fait. Laissez le temps au joueur de s'habituer, de comprendre comment ça marche. Lui mettez pas 50 000 informations dès le début. C'est comme si vous commenciez Harry Potter et que les trois premiers chapitres, c'était la présentation de tous les personnages de l'histoire. Ça va pas aller. C'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, encore une fois, je suis désolé, mais le dash qui reste coincé dans les murs, c'est une connerie.
Surtout quand vous lui mettez un cooldown en fait. Parce que le truc c'est que ça va être quelque chose qu'on va faire 20 fois par minute quoi. Je veux dire c'est un dash, c'est le seul truc qu'on a pour esquiver. Donc de base on va l'utiliser beaucoup. Sauf que si on l'a utilisé pendant 0,6 secondes ou un truc comme ça on peut pas. Et donc du coup bah, si on se bouffe un mur ou si on est bloqué ou si n'importe quoi, on est de la baise. Et pour un truc qu'on veut utiliser aussi souvent, que ça soit aussi punitif, c'est trop. Parce qu'on va se prendre beaucoup trop de coups à cause de ça. Et l'air de rien, on peut mourir assez vite. Bon, ça va. Le jeu est pas trop, trop difficile. Mais, ça reste quand même un jeu pas simple. C'est un roguelite. Je veux dire, on en prend quand même pas mal plein la gueule. Vous avez vu, là, faut pas merder son dash non plus parce que l'endroit est petit. Bref, il y a beaucoup de choses. Oh, les cartes explosives, c'est bon, ça. C'est bon, mais il n'y a rien de ouf. Hein? Non. Rien en fait, je vais le recycler. Donc ça, c'est compliqué. Ensuite, le charme, par exemple. Quand on charme un ennemi, ou on entrave, etc., ça doit être très clairement visible. On met une altération des temps, on met un contrôle, on met ce que vous voulez, ça doit être très clairement visible. Regardez, je vais reparler d'Hadès, mais regardez Hadès quand vous faites un truc, on voit clairement quel ennemi a quoi en fait. On voit s'il a eu une malédiction d'âme ou ce genre de choses. Donc une altération d'état, hein, le poison, Dionysos, tout ça. Là, pas vraiment. Alors que quand on charme un ennemi, il doit devenir mignon. Il doit y avoir un son mignon, il doit y avoir du rose, du violet, il doit y avoir un truc qui fait penser à la passion. La passion, putain, où allez la passion? Donnez-moi de la passion. Mais là, on le ressent pas, clairement. Je veux dire, non. C'est difficile vraiment même de se rendre compte que l'ennemi a quelque chose. On n'arrive pas vraiment à voir ce qui se passe en fait. Excusez-moi une seconde. Ouais, peu importe. Vous voyez la structure des zones, pour l'instant on peut aller que tout droit vu qu'on a que la clé rouge, et si on arrive à passer ça, on tapera le premier boss. Et après, bah du coup, là, il faudra aller ici et choisir le labyrinthe ou le salon des invités, passer par là. En sachant que le boss est évidemment là. Et il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs boss, hein, autres que la madame au ciseau. Bref, là, ça commence à être difficile. Vraiment. Mais il y a des détails partout et un peu inutiles, en fait. Et ça aide pas non plus à la compréhension. Et vous voyez que là, ça y est, ça commence à tanker. Donc, il y a aussi ça, il y a le fait qu'on voit... D'accord, ok. Il y a le fait qu'on voit pas exactement si les ennemis sont contrôlés, s'ils sont charmés, s'ils sont ci, s'ils sont ça. Et c'est un problème, parce qu'on doit être capable de se rendre compte de ce genre de choses. Ah oui, puis maintenant, il y a des fleurs explosives, évidemment, parce que sinon, c'était pas assez. Regardez ce pauvre petit cœur chelou, là. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on sait qu'un ennemi est charmé. Et en plus, les ennemis charmés continuent d'aller sur vous. Donc, c'est même ce qu'ils font, en fait. Ils vont vers vous. Ils viennent vers vous. Du coup, excusez-moi, mais c'est pas clair. Et donc, il y a énormément de trucs comme ça qui font qu'au final... je suis désolé. Mais son game design est foiré. Alors, peut-être que je me la pète comme si j'étais un connaisseur. Mais voilà, là, je pouvais rien faire. En tant que joueur, franchement... Je trouve pas le jeu super agréable en fait. Si vous prenez. Excusez-moi. Ah, il se téléporte en avant. Ça, c'est pas mal ça. Voilà. Et du coup, on va recycler. Parler de Curse of the Dead Gods. Mais si vous prenez Curse, vous voyez. Oui, plus simple, plus court. Vous voyez, quand vous faites un truc, quand vous tapez un ennemi, vous le sentez. Quand vous mettez un coup avec une arme à deux mains, clairement, ça lui fait mal, hein, y a pas de problème. Vous entendez, vous avez tout ce que vous voulez, c'est... Quand vous mettez le feu, vous entendez le rugissement du feu, c'est pareil. Quand vous tuez un mec, clairement, ça se sent, y a le crâne qui vole, etc. Quand vous prenez un coup, le jeu, il vous dit, mais t'es nul. Ça se voit, y a les couleurs qui changent, y a la barre de vie qui devient plus visible pour vous montrer que vous avez fait une connerie. Il y a un espèce de bruit chelou, il y a le perso qui gueule. Le jeu vous dit clairement, vous avez fait un truc bien, vous avez fait un truc mal. Vous ressentez vos actions directement. Là, non, en fait. C'est le problème. Quand vous faites une explosion dans un jeu vidéo, il faut... Eh ben ma salope.
Il faut que ça sente, il faut qu'il y ait l'onde de choc, il faut qu'il y ait un truc qui vole, il faut qu'on entende le rugissement des flammes qui montent, il faut plein de choses. C'est pareil, quand vous mettez un pain, vous voyez, il faut aussi le retour haptique, enfin le retour, les vibrations de la manette, histoire de sentir qu'on a tapé dans une dent, vous voyez, et que la dent hein, s'est fracturée, là, qu'on lui a fait mal à sa sale gueule. Il faut tout ça. Je balance une fusée de feu d'artifice, ça c'est une fusée de feu d'artifice. Vous avez vraiment l'impression que j'envoie un truc? Imaginez, même Merry et Pipin du Seigneur des Anneaux, ils sont déçus avec ça. C'est pas un feu d'artifice, ça, c'est de la merde. C'est un truc qu'on achète à 3 francs 6 sous dans une librairie. C'est même dans une kermesse, vous avez des pétards qui pètent plus fort que ça. C'est de la merde. Donc, manque de sensation, manque de feedback, manque de clarté. Là, c'est le bordel, vous voyez, projectiles qui prennent la moitié de la salle. Non, il y a beaucoup de choses qui font que qui font que ça sonne. Donc ouais, désolé, on a sonné la porte. Donc du coup, ouais, manque de tout. Hein. Alors la rejouabilité est plutôt cool. Il y a 4 modes de difficulté, il me semble, en plus. Le côté, ouais, on va appeler ça deck building, hein, ou building en tout cas. Là, je pouvais pas dâcher. Du perso est plutôt cool. Mais pour le reste, je suis franchement pas convaincu, quoi. C'est dommage, hein. Après, il y a des gens qui adhéreront... pardon, excusez-moi, beaucoup de choses. J'accroche pas personnellement à la DA. Bon, ça c'est perso, je vais pas juger le jeu là-dessus. Il y a des gens qui aimeront, voilà. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Par contre, la musique, c'est la même putain de même musique depuis 3 salles. Depuis, enfin, 3 salles, 3 niveaux. Ou alors, elle se ressemble tellement que j'ai pas remarqué la différence. Il y a un moment, bon, faites quelque chose, quoi. C'est pas assez chiant. Donc, encore une fois, ça, c'est un problème. L'artifice de niveau 4, ça va piquer, ça. Et vous voyez, là, on a l'étoile qui, donc, du coup, va rajouter du dégât. C'est en proportion de ce qu'on a, c'est un pourcentage. Mais si on met le feu d'artifice... augmente la force de l'effet de la carte principale et donc la brûlure fait 441 points de dégâts. En plus. Là, on rajoute... notre brûlure fait 582 points de dégâts pour 4 secondes. Là, elle en fait 1023. Mais si on met la... comment dire... là... l'étoile filante, ça rajoute directement 647. Et 647, c'est plus que 441. Du coup, on va garder ça. On va recycler l'autre feu d'artifice. Et on va continuer. Je sais pas si j'arriverai au boss, parce que là, en plus, en parlant à un côté, je fais de la merde. J'ai pas bien joué, on va dire les choses. Oh, pris tellement cher en deux... Ah, putain, ça sonne encore! Eh ben, je suis un homme très demandé aujourd'hui. Je vais bientôt me libérer, parce que je vais bientôt crever. Donc, ouais, Dundee Ace, voilà. Je suis fort désappointé, comme il y a l'autre. Sinon, ça me fait penser. Il n'y a pas Isaac Repentance ou quelque chose qui doit sortir là bientôt? Il serait genre Isaac et ses 255 DLC? Oula, où je suis parti moi? Ça me permettrait peut-être d'enfin le tester, vu que j'ai jamais joué à Isaac. En fait, ça m'a jamais vraiment attiré. Mais je me dis que sur la chaîne, ça peut peut-être vous plaire. Et que moi, ça me permettrait de découvrir un truc, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui ne jurent que par Isaac que je me dis que j'ai tout loupé quelque chose, quoi, ça doit être moi. Mais je sais pas, ça m'a jamais vraiment attiré en regardant du gameplay, mais n'ayant jamais joué. Oula, vous explosez les messieurs, c'est pas. Non. N'ayant jamais joué, c'est quand même difficile de juger vu que c'est quand même. Ah, c'est pas pareil quoi, surtout sur un jeu du genre un peu exigeant et puis rogue, etc. Ce genre de truc en général vaut mieux vraiment jouer soi-même quoi, sinon on a des sensations différentes. Enfin, on n'a pas de sensations du coup. Donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui passe, certainement qui passe à côté de quelque chose et donc du coup si vous avez. Si ça vous branche sur la chaîne, dites-moi. Et du coup, ça serait vous qui m'apprendriez des choses pour une fois. Sur comment jouer. Ah, oh, j'ai pas d'achu. Parce que donc, qui ont jamais joué, je sais que c'est un jeu où vous pouvez avoir des combos totalement pétés, etc. Ah, et ben on n'arrivera pas jusqu'au boss. Et donc, vous voyez, là, j'ai perdu les éclats, c'est dommage. Et donc, ça pourrait potentiellement être cool. Je ne sais point.
En tout cas, voilà, c'était la présentation salée de Dandy Ace. J'ai dû oublier des choses, hein, en bien certainement, en mal, où il y a des chances aussi. J'espère quand même que la vidéo en elle-même vous aura au moins été utile, parce que bon, un mec qui dit que ça c'est de la merde, je sais pas si on peut vraiment dire qu'elle vous a plu, mais au moins qu'elle aura été utile. Je vous remercie d'avoir suivi, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.